Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on réalise une étagère qui ne manque pas de lumière. Allez, c'est parti.
bien voilà, cette petite étagère est finie. Je l'ai fixée juste devant en attendant pour pouvoir passer mon fil, etc. Et pour voir ce que ça donnait au niveau de la fixation et de la résistance. Je suis plutôt satisfait, sachant qu'elle ne va pas recevoir non plus des livres. C'est une étagère déco, simplement quelques babioles décoratives dessus. Et ça va résister très très bien. Cette idée, je l'avais vue sur Pinterest. Je trouvais ça sympa d'avoir la petite lampe incorporée avec. Je vous l'ai fixé ici juste pour montrer. Je vais faire quelques photos et vous pourrez voir les photos une fois installées sur ma page Instagram. Puisque là, j'aurai pas le temps. On est jeudi. Il faut que je fasse le montage cet après-midi pour demain. Donc, si vous voulez la voir posée, installée, ce sera sur mon profil Instagram d'ici quelques jours. Je remercie ma compagne qui m'a bien aidé puisque la machine était compliquée encore aujourd'hui. Enfin, pas la machine, mais moi. J'ai testé pour la première fois la finition invisible de chez Rubio. Elle est réalisée en frêne. Je veux dire que la finition, c'est vrai qu'elle sèche aussitôt. Mais on en reparlera plus quand j'aurai fait d'autres essais. Les Clamex P14, donc fonctionnent très 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 bien dans le bois massif aussi. J'ai eu un souci quand j'ai fait une coupe, même si vous ne l'avez pas vu, il a fallu que je recommence ma coupe à 45. C'est pour ça que le fil ne se suit pas totalement, mais c'est quand même pas mal. Je vous montre ça quelque part par là à côté. Franchement, je trouve ça superbe. Elle est entièrement démontable. L'assemblage à 45 degrés fonctionne très bien avec ce système-là. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Merci encore à tous ceux qui passent par les liens en description pour soutenir la chaîne. Ça fait toujours très plaisir et ça permet d'acheter du matos pour la chaîne. Vous avez aperçu une nouveauté, c'est la fleureuse de chez Virutex, mais ça, je vous en reparle plus en détail lundi. Je vous remercie et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!